en disant payant nous. Là, nous ne pouvons pas parler de femmes pour tout le temps, même si femmes ne pas tant parler de ça. Ça veut dire que pas ni pour Guadeloupéen, en particulier non Guadeloupéen, qui pas qu'à déifier maman. Et ça extraordinaire que dans société, à présent, qu'on parle de civilisation guadeloupéenne. À dans la civilisation guadeloupéenne, qui est unie à dans société en nous, de plus en plus de femmes qui ont la rue là. Et que, alors que unie de plus en plus de femmes qui ont la rue là, ça dit des mamans, que seul butin qu'il y a dans le discours politique, c'est la fusion du département et de la région pour concentrer les pouvoirs entre les mains à des trois mounes. Faut dire ça. Messieurs et dames, comme dit, comme fait, nous disons que ça fait 6 mois l'année a commencé et l'arrivée pour nous essayer de comprendre ça nous qu'à vivre, qui j'en nous qu'à vivre et qui chemin nous qu'à voir pour nous prendre pour demain, pour nous pas regretter la vie. Comme nous savons, monsieur Pierre-Yves Chico aime parler bas peuple là et malgré il pas gagné en longtemps par rapport à mon œuvre capotée. Eh bien, nous faire touper et nous demander un petit temps pour nous, pour aider nous clarifier la situation à payer nous et comprendre où la nous caille. Pierre-Yves Chico, qui nous veut là, qui j'envoie? Merci Jean-Claude, bien merci, bien merci. Et on a dit tout le monde bonjour, car vous êtes Radio Azot, Radio Côte-Caraïbe. Alors, là aussi, c'est là, en payant nous, professeur, ou quoi faire l'école de l'université, ou avocat, ou obligé de s'inhibiter à dire nous, avec l'explication, ou voulez commencer par rapport à alors, ça, ou quoi vivre. Oui, alors, sans pédit, c'est qu'on a eu la chance, bon Dieu merci, et on a moins les moyens aussi, surtout, d'exercer des métiers qui a fait moins plaisir, qui a passionné moins, encore enseigner à l'université, en avocat. Ça qui arrive moins aussi fait formation, on a fait depuis quelques temps, on a commencé à faire formation pour les fonctionnaires territoriaux, notamment si un thème qui est important, c'est la responsabilité pénale des fonctionnaires territoriaux. Et puis en Guyane, on a fait on travaille avec les consultants publics, c'est-à-dire qu'on a conseillé le conseil social, environnemental et culturel de la Guyane. Notamment, ces jours-là, ça, c'est des questions de transformation statutaire, puisque c'est la Guyane qui a travaillé ici, ça. Voilà. Et donc, et notamment par rapport à métier avocat, moi, souvent, une fois, on a dit que c'est un métier qui est uni, c'est comme si on les balcons ou pas fenêtre à haut et on a gardé la Guadeloupe en bas, quoi. Donc, on a uni tous les jours, on dit dans le cabinet là, on a vrai. Donc l'État pays en nouillé au travers alors, les contentieux. Alors, monsieur Pierre-Yves Chico, nous pouvons vivre sur la Guadeloupe tout à l'heure, mais il y a une question à vie posée, puisque certains ont écouté ce qui a passé en France. Violence là, en médiation à jeunesse là, tout ça qui a fait en France là, même en Martinique aussi. Est-ce que Guadeloupe nous peut dormir bien? Puisque des fois, il faut veiller à la contagion. Ah, c'est-à-dire que moi, en tout cas, dit-il, mon amour, ça, en tout cas, un jour, nous tenions une discussion sur la police et il était qu'à tenir des propos très raides sur la police. Avant, en tant qu'avocat, on ne peut pas connaître qu'à quitter la police, puisque la famille a moins levé moins de telle sorte pour pas j'en ai problème avec la police, mais depuis envie d'avocat. En cas côtoyer police, en cas côtoyer gendarme. Et premier but en pédis, c'est que qu'on a dans toute profession ni bon monde et ni mauvais monde. Ni monde qui l'a parce qu'il choisit ça en conscience avec Kéayo, et ni monde qui l'a et qui choisit ça pour faire l'argent seulement. Et donc, en particulier, les liens qu'on y avait avec la police, notamment les polices guadeloupéens, en plus, on y a une fierté, nous y a une fierté en Guadeloupe, c'est qu'on y a un bougnois, et c'est Jean-Pierre Frédéric qui était étudiant moi, à Fouillol, année universitaire en 1994-1995, et nom là, il était directeur de cabinet à préfet à Mayotte. Avant, ça a été commissaire de police en France, et je dis là, il arrivait comme directeur adjoint
de la sécurité publique, directeur adjoint territorial de la sécurité publique en Guadeloupe. Et donc, c'est deuxième chef à la police en Guadeloupe. C'est en Guadeloupéen, c'est on est qu'on nous-mêmes. Et en disant, par exemple, commissariat à la pointe ou en cas souvent, en cas dit ça, chaque fois, on a l'occasion, en cas remercie au Jean-Claude de poser mon question là, nous ne pouvons pas imaginer qui sont les policiers guadeloupéens, qui ça qui fait en Guadeloupe et qui restait vivant en Guadeloupe, qui ça qui était qu'à vivre en France et qui décidait de rentrer en Guadeloupe, il n'y a qu'à faire travailler ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'à arrêter les gens. C'est la répression, la police, à partir du moment où commettons infraction. Mais on ne peut pas imaginer, et en cas de sang, la chair de poule, les, par exemple, ils ont arrêté un petit bougre, qui, par exemple, parce qu'il volait, qui, par exemple, parce qu'il a trafiqué drogue, qui, par exemple, parce qu'il violait, qui, par exemple, parce qu'il était chouillant, on ne peut pas imaginer qui, genre, ces polices guadeloupéens là, qui a prêché morale pour gêner sans nous. Alors, évidemment, ils ont fait travail à eux, puisque après procédure là, qui a continué, ça veut pas dire qu'ils ont prêché morale, pour qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas recommencé, ils ont lagué, il n'y a pas procédure là. Mais, il faut être conscient de ça. Nous avons un gros commissariat, l'après, et c'est aussi travail là, ça, y'a fait. En cas fréquenté, moi, c'est le commissariat de Bastère, mais en penser que c'est même Bité là qui a fait. En cas fréquenté, le commissariat de Capesterre, c'est aussi ça, les policiers guadeloupéens qui a fait. Et en tout cas, le plus chiant, Bité, c'est que, ni quelques l'année, en particulier les socialistes au pouvoir, ils ont mis en place ça, ils ont créé la police de proximité. Et ils ont dit que, faut par exemple, qu'on par exemple avocat, café, tournoi football, avait magistrat, avait policier, pour yo apprendre connaître yo, retrouver yo à un moment festif. Mais après, les nions procès, s'il faut tomber en tuyau, on magistrat, là quand tombe en tuyau, c'est plaider avec force pour défendre dossier, ou pas faire, ou pas dire ah mais nous jouer boulier, eh ben ah ouais, qu'il y a mol, etc. Eh ben la police de proximité, ben yo t'ai lancé l'idée là ça, qui dans les quartiers pour tenir une forme de lien social entre les policiers et les jeunes, pas forcément des délinquants, eh bien, ils ont été organisés, débités ensemble. Et nous, président de la République qui arrivait et qui vient élire ce système-là, ça. C'est Nicolas Sarkozy qui dit il ne relève pas de démission de la police de participer à des tournois de football avec des délinquants. Mais à partir avec des délinquants, c'était avec moun à dans les quartiers au là, yo ka intervienne. Et donc ça te ka permettre de créer un lien social entre ces mouna tout en disant que si on moun font bitin, ça veut pas dire police qui dit ah ouais mais nous on commence en veut dire ah oui mais nous t'ai ensemble te ka font barbecue. Ou Saint-Bougain moins. Donc ça dit que dynamique là de créer un lien social entre ça y aura créé les forces de l'ordre et la population, les destinataires de la répression pénale, eh bien, ils ont coupé ça. Et ils ont créé une espèce de distance entre la population et les policiers. Et d'ailleurs, encore, ni en lot guadeloupéen, famille, ils ont parti en France pour faire police. Moi, t'es ni un tonton qui partit la retraite, eh bien, tonton Claude, eh bien, il était gardien de la paix. Ou pas attendre nous qu'à parler encore de gardien de la paix. Alors qu'un agent de police nationale, c'est un gardien de la paix. Donc, discours là, changé. Et en cas de paix, il ne faut pas accabler les policiers. Mais en même temps, comment tu as dit dans le premier temps, dans tout métier, où il y a des gens qui sont qui fait ça bien, et des gens qui ne peuvent pas faire bien. Il ne peut pas faire bien un petit moment. Mais s'il ne peut pas faire bien un petit moment, il faut vous dire, à part pour ça, ils ont engagé dans la police. Et depuis quelque temps, on y à la fois dans le discours de droite et dans le discours de gauche, on discours si la police qui a laissé penser les policiers qui a donc situation difficile. Parce qu'il faut nous changer aussi, un policier qui a attrapé la grippe, un policier qui a l'imbé, un policier qui a fait maman, il fait papa, il a travaillé après. C'est-à-dire qu'il y a les mêmes fragilités que nous. Et donc, le discours public et les discours des ministres de l'Intérieur, que ce soit de droite ou de gauche, qui a parlé des policiers et aussi des gendarmes, on fait des forces de l'ordre, comme étant des gens qui ne peuvent pas commettre aucun pont erreur, à un moment-là, ça n'a pas qu'à rendre service. Et ça arrive à cette situation-là, nous, ni aujourd'hui, là, en France hexagonale, en tant qu'en Guyane, ni aussi en effet de contagion, comme on t'a dit, ni un junior bouc de 54 ans qui mort, et vont nom de famille qu'on connaît bien, puisque on vit 10 ans en Guyane. Bon, ou qu'à apprendre moins qu'en Martinique, eh bien, un phénomène de contagion aussi. Alors, on ne peut pas dire pas un phénomène de contagion, mais affrontement entre jeunesse et police qui arrivait, là où on voit
ni un mouvement social particulier comme en novembre passé. Mais on n'a pas pensé vraiment que parce que ça fait en France, il y a tué un petit monde en France, que moun a dans les quartiers populaires, que vina y attaqué policier. Parce que on n'a pas pensé que en Guadeloupe, on n'a pas parlé de ça, on connaît, hein, encore un hommage aux policiers guadeloupéens, Bougalabac, c'est beau qui est brutal. Mais c'est beau qui est brutal, mais qui en même temps dans la communication. Donc ça veut dire que c'est comprendre que y a qu'à faire travail à yo, mais tous les jours, il y a qu'à établir un lien avec la population là, et bien, moun ka sans mieux. Et en cas de génion, qui était au lycée avec moi, qui était qu'à travailler à la BAC, la brigade anticriminalité, et il était qu'à dire, Pierre-Yves, ou ça bon bitin, à l'âge nous, en vrai, en vrai, quand tu as couru des papa là, et je dis, dans qu'à couru des petits bougs là. Donc, il était parlé moins de la délinquance qui a reproduit si plusieurs générations à dans la famille. Et il était quasiment comme ça qu'il ne veut pas continuer à faire le métier là, ça comme ça encore, parce que ça a fait la peine. Il est vrai qu'après, papa là, c'est un petit bouga, il a couru, il a fait communication. Donc, voilà. Et donc, quand tu veux profiter de ça, des questions là, on va poser moi là. C'est encore pour déconstruire aussi nos visions nous peigner dans la police. Donc, on combat dans tout métier, on n'y bon et on n'y pas bon. Il ne faut pas oublier que si on bite un arrivé ou qui en chemin, qui a casa ou quoi crier la police, puisque c'est un service public, et on va payer un pot pour la police venir protéger. Alors, bien écouté Saldino, et ça a fait nous penser, poser en question. Est-ce que c'est ça qui a expliqué que jeudi jour ou vice-président à association attitude médiation? Parce que là, c'est famille, il y a contre, c'est famille, il y a aidé à recouler, etc. Oui, en tout cas, disons, on boucle ça hier, même si en divini, sans divini, Jean-Claude, vous citez les titres qu'on a, les fonctions qu'on a exercées, mais on n'a pas qu'à oublier l'en sortie. Papa, moi, c'est ton ouvrier maçon et maman, moi, c'est ton femme de ménage. Il ne faut pas aux gens oublier là où sorti. Quand l'on soit sans ouvrir demain, il ne faut pas oublier là où sorti. Et en tout cas, dit, on s'en mis d'enfance en moi ça, pour ne pas nommer ici M. Patrice Tacita. En tout cas, dit qu'à partir du moment où moun, ou de manière individuelle ou de manière collective, il y a qu'à essayer de porter atteinte à classe d'origine en moi, ça a posé mon problème. Et c'est pour ça, par exemple, en cas trouvé moi. Depuis quelques temps, qu'à défendre les agriculteurs de Dadou à Petit Canal, c'est-à-dire des agriculteurs qu'il a depuis 100 ans, et ils ont commandé, ils ont fouté mal camp pour installer des éoliennes. Et là, qu'à défendre ces bouglas, ça pour rien l'argent, qu'à défendre, ils avaient tout sang qu'il y a encore au moins, avec toute énergie qu'il y a encore au moins, parce qu'ils ont sentiment touché à dans origine, à classe en moins, c'est-à-dire des gens qui bravent, des gens qui pagnent l'argent, des gens qui parlent français approximatif. Mais qui n'y doit à considération contre toute qualité moune. Et donc, il se trouve que, moi, Jeanne Morton, qui est un avocat très connu en Guadeloupe, qui était fait un lot contentieux de divorce, qui, son monde qui a apprécié moins, qui est mettant sans qu'à dire à la radio et à la télévision, et qui a dit moins qu'il a parti et qu'il était souhaité qu'on prend le relais à dans l'association là, ça. Et c'est aussi le fait, Jean-Claude, nous connaissons depuis très longtemps, depuis le collège, le lycée, en toujours milité, et notamment à l'Union nationale des élèves étudiants guadeloupéens, et c'est l'engagement. Ça dit qu'on ne peut pas faire sans tes cafés, l'antépigène, mais c'est une façon pour moi de continuer à engager moi dans la société guadeloupéenne de façon bénévole, parce que Attitude Médiation sont associations qui travaillent pour mettre, remettre la paix et l'amour à dans les foyers. C'est-à-dire, si moun qui en la guerre et des familles à yo, on monsieur et on madame qui en la guerre, et permettre ces moun à ça, qui peut-être qu'à jurer yo à un moment donné, qui j'en yo peut vous commencer à parler, qui j'en yo peut vous commencer à dire yo, eh bien, est-ce qu'on a changé yo un moment, nous te ka dit chéri doudou, à nous garder qui j'en nous peut. Alors, c'est moun à fait séparer, parce que l'amour pas forcément éternel, mais c'est-à-dire que permettre aussi que ces mouna séparent dans des bonnes conditions pour que ces petits mouna pas porter péta dans ça. Et en très content d'être engagé dans l'association là, ça. Et puis voilà, en content, parce que c'est une façon de contribuer, de militer aussi pour le pays là. Alors, nous, aujourd'hui, à nous avons fait un mois de juin là, ça a fait 6 mois l'année là, commencé. Quand on peut dire, nous, si 6 mois là, ça nous sortit passé en Guadeloupe, tout ça qui passait,
tout ça qui a fait, juste arrivé à congrès là, par exemple. Alors, Jean-Claude, hier, alors, en écrivant tribune, en tout cas, parce que vous voyez, Ibao. Oui, vous voyez, bon, moi, ouais, c'est vrai. Une collectivité unique pour faire quoi? Ouais. En fait, encore, on me rend compte que, alors, en très respectueux du suffrage universel, en très respectueux, tu as les lentes qui ont parlé de l'engagement des gens qui ont engagé en politique. Parce que, moi, on n'a pas pensé que son bitin qui peut faire. Bon, bon. Mais on y respect pour les gens qui ont fait un bitin qui est moins pas arrivé fait. On y respect pour un bout qui fait un réseau à charbon qui sont belles œuvres. Voilà. Ça, on ne peut pas faire ni admiration. Chaque monde a talent à eux. Mais encore, on me rend compte, et en tout cas, dit ça au micro de Guadeloupe Première Radio hier, par rapport à la tribune là, il a crié moins. En tout cas, dit au pays, non, c'est pire. Et au moment de là, au moment donné, en tout cas, dit pays, non, bouleverse, ni quelques mois, mais à présent, pays, non, c'est pire. Pays, non, c'est pire pour en l'oraison. Premier butin, nous savons que famille en Guadeloupe, de manière générale en sociologie, au cas où la famille, c'est la cellule de base de la société. Mais famille en Guadeloupe, surtout nous, famille en Guadeloupe, par rapport à ça nous vivons, c'est là nous te caille chercher force. Et il se trouve que je dis là, famille en Guadeloupe a donc une grande difficulté. C'est-à-dire, non seulement société là, à certains égards, une pire aide, la vie vient quand même un peu plus difficile, puisque encore on me compte qu'il y a des mots qui n'y en créole qu'on, bah on parle marché, des mots qu'on coup de main. C'est des mots qui disparaissent des vocabulaires en nous. Et ça veut dire qu'il y a une espèce de délitement des valeurs en nous. Et donc, les délitements de valeurs à l'extérieur, ni on n'est pas en dit dans société là. C'est le fait que les nouvelles technologies qui a concurrencé éducation à famille là. Ça veut dire que là, on a dit qu'on a en dit dans cas là. Mais s'il n'y avait pas au tabac, ou iPad, ou ordinateur, en dit dans cas là, eh bien, à dans chambre fermée ou vous-même ou parmi la académie son notre éducation internet cabaye. Donc tout ça qui a bouleversé pays là, et donc ça veut dire que responsabilité à femme et non politique en dit à dans pays et en particulier en pays en nous pays Guadeloupe, c'est qui j'ont qu'à adapter à la société là, parce que si on engage en politique à pas pour faire affaire, c'est parce que on a dit que on y a un sens de l'intérêt général. Et on prend souvent exemple à ça pour moun qui conseiller municipal et moun qui ka critiquer les élus, en cas de attention, pour moi, il y a deux catégories élus. Moun qui ka vin en politique pour faire affaire à yo, et moun, et c'est sans ka crier l'armée industrielle des conseillers municipaux, moun qui ka rentré en politique pour yo servir commune à yo. En cas penser par exemple à madame là qui ka fait les scissions le samedi, qui ka dit yo ka vin chercher pour être son en liste au municipal, mais il pa ka vin en politique pour faire affaire, il ka vin pour servir la population. En ka pensé à Bouga qui président en association sportive ou culturelle, que moun connaît, que moun peut crier parce qu'il savent qu'il ka aider moun sans faire de l'élu en assistante sociale, hein? Et donc c'est moun a ça catégorie là, celui là ça, c'est yo pour moi qui les vrai dépositaire du suffrage universel. Et donc l'autre catégorie là, des mondes qui attirés par l'appétit du pouvoir, qui pas qu'à considérer, qui problème urgent, immédiat qui n'est dit dans le pays là, je dis là, mais qui capable au don seul butin, c'est la collectivité unique, fusionner le département et la région pour une seule collectivité. Et c'est pour ça poser la question, une collectivité unique pour quoi faire? Et là, nous avons fait bilan, Jean-Claude, à ces 6 premiers mois de l'année là. On est obligé, en tant qu'observateur de la société guadeloupéenne, de changer le discours en moins. D'ailleurs, pendant longtemps, nous parlait d'être de l'eau, déchets, transport. Guadeloupéen prend, en français, on a dit, on fait contre fortune, bon, mauvaise fortune, bon cœur. Pas qu'à bien changer l'expression là. Ça veut dire que Guadeloupéen, finalement, accommodé, yo, malheureusement, parce qu'il ne peut pas faire autrement. C'est que ou quoi pas bleu là par guerre ou là dans les robinets à dans certains côtés à la Guadeloupe, c'est en cas pas exemple papa moi qui met 95 ans quasiment des fois ouais on veut pas déranger, si t'es mis en transport en commun par exemple le dimanche là en carité là pour moi ils vont le monde l'hôpital en pas trop obligé de déranger on a dit mais papa pas de problème. Et donc des gens qui peut pas déplacer yo le dimanche pour aller voir l'hôpital parce que pas ni transport et problème à Zodi, les déchets qui vrai politique des déchets au commandé en pays là. Et finalement, et c'est pour ça qu'on parlait de, en capacité de, un pays en bouleverse, d'un pays en chépi, parce que, à présent, misère qui a touché mon Adam,
et chair à yo, à dans sang à yo. Et quand nous avons constaté, c'est que chaque semaine, on jeune Guadeloupéen de moins de 25 ans, qui a tué un autre Guadeloupéen de moins de 25 ans par arme à feu. Deuxième bitin, c'est que nous avons rendu compte que femme commence à venir clochard en disant pays en nous. Et on y a une image. En tout cas, il plaidait une affaire au tribunal Bastère. Quand on a un monde qui a crié, monsieur, a dit, oh la voilà qui a sorti. En cas, bon, madame, on paquet de boutons en l'air. Aïe. Et c'est manifestement clochard. Et qui a demandé, moi, on monnaie pour y acheter un morceau pain. En disant pays en nous. Là, nous t'es capable parler de femmes potomitans, même si femmes n'est pas tant de parler de ça. Ça dit que pas ni pour Guadeloupéen, en pas aussi client, non Guadeloupéen, qui pas qu'à déifier maman. Et ça extraordinaire que à nos sociétés, à présent, qu'à parler de civilisation guadeloupéenne, à dans la civilisation guadeloupéenne, qu'est unie à deux sociétés en nous, de plus en plus de femmes qui ont la rue là. Et que, alors que unie de plus en plus de femmes qui ont la rue là, ça dit ou des mamans, que seul butin qu'il y a dans le discours politique, c'est la fusion du département et de la région pour concentrer les pouvoirs entre les mains à Détroit Moun. Faut dire ça. Troisième butin, c'est qu'il y a une augmentation de l'extrême pauvreté. Et ça qui interpelle moins, et là c'est universitaire là qui a parlé, c'est que l'INSEE fait on étudie ça, et il a dit que on famille pauvre en Guadeloupe, si on madame tout seul, elle avait plusieurs enfants, plusieurs timounes, qui a touché 1344 euros par mois. Mais 1344 euros, là, ça, c'est 1344 euros à prestation sociale. À pas parce que forcément, il a travaillé. Et la question qu'il a posé, moi, là, c'est, mais et si on a qui vient qui est RSA, là? Si tu as là qui a 1344 euros, et bien plus à Timoun, j'a classé dans la catégorie de l'extrême pauvreté, qui j'en, ou qu'a crié ta là, qui a touché rien qui le RSA, là? Et nous, débat, si le retraite en Guadeloupe, au point de vue national. Et ça t'a posé problème, les retraitants. Fin pas comprendre ça, là, on lit, on auteur français, qui a écrit Michel Foucault, qui écrit en l'eau sur le capitalisme sauvage, que problème à retraite là, à partir simplement le fait que c'est Mouna, t'a dit, il n'y aurait pas travaillé 10 ans de plus, ça t'a posé problème. Et Moun, en société, on nous peut comprendre ça, c'est la meurtrissure des corps. C'est-à-dire qu'ils ont le travail qui a fait corps, ou fait mal, ça qu'ils ont fait en nous civils. Eh bien, en Guadeloupe, ni au conseil départemental, ni au conseil régional, ou pas tant pour Moun, fait un débat sur ça, pour dire, mais qui vont nous approcher la question de la longévité du travail en disant pays en nous, puisque ni moun ka lever que ça dans le magasin, ni moun ka travaille en banane, ni moun qui ka continuer travailler en canne, ni moun qui ka continuer travailler terre, ni maçon, ni kaolet, enfin, une série de métiers difficiles. À aucun moment, un long débat national comme ça, qui a concerné les malheureux, nous partons, nous prenons la parole. Par contre, yon ni ça, on dit à dans le tribunal, yon ka créé l'obsession institutionnelle. Et yon ka passé par toute espèce de méthode pour dire Guadeloupéen, oui, Guadeloupéen, d'accord pour nous en collectivité unique. Alors que pour moi, Jean-Claude Lanka dit, Jean ka pensé, a pas la priorité. La priorité, c'est est-ce que l'homme handicapé, il peut trouver un service public départemental de handicap qui est solide. Est-ce que sont mis en problème, il peut trouver un service de l'assistance sociale à l'enfance qui solide. Les on moun ka cherche travail. Est-ce que en particulier on ka passe des jeunes en alternance, des jeunes de plus en plus qui a décidé de faire l'alternance. Est-ce que yo peut trouver auprès du conseil régional une politique publique efficace et performante qui permette chaque Guadeloupéen et chaque Guadeloupéenne, si Guadeloupéenne, là yo ka dit je veux faire l'alternance, la région ni un dispositif efficace qui a dit ni une entreprise qui a accueilli yo. Voilà pour moi Jean-Claude en tant que citoyen simple qui j'en capte pays là et qui j'en nous adons on en fait nous pieds pour tête et c'est pour ça pays là en chef. Et dernier bitin là c'est qu'à nos pays Guadeloupe où les Guadeloupéens tenions affection on l'amour pour élu ayo c'est bougan moins c'est mon amour etc dans le bon sens du terme parce que mais là on peut crier à n'importe quel moment élu là etc à présent nous arrivons à un niveau où moun Kaba élu bourade en disant pays là. Ça veut dire on bite. Et ça a fait l'année, Jean-Claude, on a répété ça. On a dit comme ça que Zoka créé en disant pays là, ça y a créé l'obscurantisme. C'est-à-dire, moins peuple là au courant, moins peuple là sable, et mieux Zoka porte les autres et Zoka fait affaire à autres. Mais l'obscurantisme, ça a créé la sauvagerie. À partir du moment où pour moi,
ou qu'à attaquer un lion, ou qu'à bailler un bourrade, ou qu'à bailler coup, ça veut dire que nous déjà commencé à tomber dans la sauvagerie. Pas oublier en novembre passé, pendant vite un vaccin là, ils ont essayé de brûler la mairie Bastet. Ils ont rentré en disant leur conseil régional, ils ont crasé, brisé vite. En 2009, ils ont déjà rentré au conseil départemental. Ils ont défiance qui a monté en disant pays là, entre les mouns qui travaillent tous les jours, en particulier les malhérés, et les mouns qui détiennent le pouvoir politique. Et on y a qu'à dire des mouns alentour à ces mouns à ça, et des mouns qui étaient au mouvement patriotique aussi, qui rapprochaient de ces mouns à ça, et qui a donc des marches, qui font des marches collectives. À l'époque, nous étions capables de la révolution nationale démocratique et populaire en bas, direction idéologique à ouvriers paysans. Et au commandé aujourd'hui, jour, oh là, ces slogans-là, ça nous a dit, passez aujourd'hui là. Parce que moi, pour ma part, en pas meilleur qui pour moi, m'a dit CLCI, que travaillant qu'à faire en Guadeloupe, en cas mettre en application sans apprendre à l'Union nationale des élèves et étudiants guadeloupéens, mettez-y dans un service à PayPal. Et c'est pour ça, bon matin là, Jean-Claude, en cas fait, il y avait plaisir, en cas trouvé mon micro à Radio Wow, et chaque fois qu'il y a un pays, on me dit à crier moins, etc. Et souvent une fois, là, par exemple, mon cabine font travail à casa moins, qui pour réclamer un clim, qui pour font un travail d'électricité, qui pour font un travail de plomberie, premier mouté mon akama dit moins, est-ce que yon ka payer ou l'on ka passer dans la télé là, y'a dans la radio là? Et en cas de yon pas ka payer moins, en cas fait ça avec qui moins, en cas fait ça gratuitement, parce qu'on prend la décision de rentrer en pays en moins, pour moins vivre bien en pays en moins, pour famille en moins, mais aussi parce qu'on ka considérer le ou à dans la société, ou peut pas ka penser yon qui a figu ya ou, ou peut pas ka penser yon qui a cran à ou. Faut ni animé par le sentiment collectif parce que en persuadé convaincu dans tes vrai ça en République dominicaine en 96 en à Santo Domingo on y des monde qui ni des gros cases et pas loin on y des bidonvilles mais devant ces cases là on y des vigiles privés en faction avec des fusils à pompe alors on y a un paquet d'argent mais devant casa ou obligé d'une des vigiles avec fusils à pompe parce que pas loin de là où carité là ni des bidonvilles et ni des monde qui pas qu'à manger et ça commence à river en pays en nous des monde qui a choisi le qui repas yo ka manger est-ce que yo ka déjeuner ou est-ce que yo ka dîner en cas trouver ça particulièrement grave mais les monde remplis de dignité et yo pas qu'à dire ça en l'eau et parce que l'entraide ka continuer quand même marcher en disant pays en nous et surtout dans les communes rurales. Alors, après tout ça, on dit là, Chico, est-ce que tu n'y as parole qui a dit, pourquoi vous ça quoi laisser, mais pourquoi vous ça quoi joindre? Mm-hmm. Est-ce qu'on parole nous peut dire jour, 10 jours? Par rapport à l'habitat institutionnel là ou pas? Oui, tout par rapport à tout ça qu'a fait, et par rapport à l'habitat institutionnel là aussi, et par rapport à ça, on est au congrès là, où vivre. Oui, non, ça veut dire que, en fait, personnalité, moi, en son personnalité, et en plus, j'en famille à moi, les bémoins, on y la culture du travail, on y la culture de l'audace, et le mouvement patriotique apprend moi, apprend à compter si propre force à donc, en pas un conservateur, si c'est pour un poignon, en pas un conservateur, on peut penser que faut adapter à la nouvelle situation. La Guadeloupe des années 60, à pas la Guadeloupe des années 2023, ou obligé à adapter au. Mais, et c'est qu'on s'en fait une tribune là. Moi, mais on l'a, sans qu'à crier, la substance de la philosophie guadeloupéenne. Et Zandoli connaît un petit pied bois qui a monté. Beska Jambé, la Bayeba. Et on a fait une tribune là, on a dit, Domino Karimé joue en Pangal, mais pas Karimé en Pangal. Ça veut dire que Adam, les éléments, de Christian Védoussa, les valeurs de la, à présent, on arrive au stade de la civilisation guadeloupéenne, où ni des éléments de philosophie, des éléments de réflexion qui ca permettre vous d'organiser société, hein, juste à temps société là, peut-être t'es disparaître, ou peut-être le monde t'es disparaître. Donc, on peut pas dire ça que, ou savent ça au qualité, savez, mais on pas savent ça au qu'a trouvé, parce que faut faire preuve d'audace à dans via, et mon maman était qu'a dit souvent, et ça sont paroles sages, calculer fait avant compter, faire preuve d'audace, mais ou qu'a appliqué en même temps, calculer fait avant compter. Et en cas où vient si vite la collectivité unique là, si c'est pour fusionner le département et la région, pour nous trouver nous pis mal, qui j'en nous jaillé là, eh bien, la peine pas vaut, faut dire ça, la peine pas vaut.
parce que en Cabayon c'est l'exemple qu'on connaît très bien, parce que en travaille sur ces questions là ça depuis 2000, depuis que Karam t'a confirmé en mission en concernant la transformation institutionnelle en Guyane à l'époque quand tu vivais là. Et encore on me rend compte que l'ayant mis en place la collectivité unique de Guyane par la loi du 27 juillet 2011 et première élection la faite en 2015, premier acte qui posait à la collectivité unique de Guyane, c'est un acte de recentralisation. En quoi expliquez-moi? C'est-à-dire que dans le discours politique, c'est expliquer les Guyanais que si nous avons la collectivité unique, c'est pour renforcer l'identité en nous. Nous c'est des Guyanais. C'est pour nous mettre plus responsabilité en disant pays en nous. C'est pour nous faire plus butin pour pays là, pour peuple là, etc. Et puis, en final, dit compte, premier butin qui a passé, c'est que l'État obligé prend en charge le RSA, revenu de solidarité active, parce que si l'État pas qu'à reprendre en charge, pas qu'à prendre en charge le RSA, eh bien, collectivité là, t'es morné. Voilà. Et c'est ça aussi, faut dire, moun. Et c'est pour ça que, en cas dit, même si on tourne ça et là, par rapport à la tribune là, des moun disent, pour le statu quo, pour être conservateur, la matière toujours dit, ou pas qu'à faire l'unanimité. Mais en cas où dit encore, calcul fait avant compter. Domino pas carrément pangal, mais pas carrément en pangal. Donc, si vous avez fait un il y a d'autres tribunaux qui disent ça. En cas de moi, je ne vais pas vivre dans Guadeloupe, qui sont cas en paille. Même si en pays, nous connaissons ça qui était cas en paille. Mais est-ce que nous, en Guadeloupe, qui a construit cas en paille encore? Non. Depuis 1989, les Guadeloupéens, qui a construit des cases solides pour résister au cyclone. C'est ça, pour moi. Alors qui Jean, quoi, vous, nous peut faire? Pour nous prendre devant avant de voir pour nous et pour pas nous arriver à une situation comme ça, puisqu'en même temps, faut un peuple grandit, faut une responsabilité. Absolument. Alors, on nous ferme la ronde, et j'en crois nous connaître parole là, ça, on nous ferme la ronde pour nous parler parole en nous. Et en français, il y a qu'à dire la démocratie participative, il y a qu'à dire la démocratie délibérative. Ça, c'est en français. Mais en Guadeloupe, dans la civilisation guadeloupéenne, depuis très longtemps, nous a dit, on nous ferme la ronde pour nous parler parole en nous. On nous voit, t'as là qui s'a taillé, qui s'a coupé en pied bois, c'est qui a coupé pied bois, t'as là qui s'a planté en clou, c'est qui a planté en clou, t'as là qui s'a monté par au plein, c'est qui a monté par au plein, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'on combat chaque citoyen guadeloupéen qui aime le pays à yo, l'envie de dire, mais ça on peut faire pour pays là. Et il n'y a pas ça qui a fait. Et c'est pour ça qu'on dit, qu'il y a enrôlé quelqu'un moun pour essayer de préfigurer, penser au butin, mais à donc qui laisse Guadeloupéen pas qu'à reconnaître qu'il y a dans ça. Et en cas du mot butin, Jean-Claude, si on voit, vrai, ça t'est passé, butin là, ça, et bien, méthode là, il y a employé là, les moun qui a décidé de ça, il y a obligé de terre à Kazayou. Parce que pourquoi? Parce que là, au cas de Semouna, nous voulons mettre en place une collectivité unique. Au cas de Semouna, les mouns qui sont plutôt indépendantistes, ils ont domicilié le pouvoir en Guadeloupe. Ils ont dit, ah, mais ça, c'est ce qu'a proposé là. Son bon bité, ça correspond à l'idée politique comme moi. D'autres mouns qui ont dit, c'est améliorer l'efficacité des politiques publiques. Ils ont dit, ah, mais ça intelligent, ça belle ça. Ça veut dire nous qu'il n'y a plus belle chemin. Ça veut dire que l'efficacité des politiques publiques de l'eau, politique publique des transports, politique publique des déchets. Ça veut dire que nous gagnons plus belle vie. Mais si vous voulez au cas de vendre ça, c'est mon âme. Dans Guadeloupe de 2023, là, ça. Et là, on y mettait, on mettait en place. Ou content, on a frotté, mais vous, les amis, vous, les familles, et tout bon et l'eau. Et vous rendez vous compte, peuple, là, quand il rendez compte, que ça, il te dit là, à part ça. Et ça arrive souvent, ça, justement. Ça arrive souvent. Nous avons un niveau extraordinaire de montée de la violence en disant pays en nous. Moun qui a manipulé les hommes aujourd'hui, aujourd'hui, dans le pays là. Donc, moi, sans qu'a dit, panga. Ah bien, ben, c'est toujours avec plaisir de nous écouter au Pierre-Yves Chico. Et puis, quand on dit la parole, on sait parole à moi. Ok, et donc, très bien. Donc, en cas merci en pile pour l'explication qu'on a apporté pour nous. Il faut nous bien comprendre, pas pour faire mon peur, mais c'est pour nous bien mettre tête à nous, bien ses épaules à nous. Et pour demain, il n'y a pas dit. Ils ne veulent pas vivre en Guadeloupe et ils ne veulent pas ça, ils ont fait. Alors, donc, nous allons dire merci pour l'explication portée. Et puis, à n'importe moment, l'année 2020, on a pas qu'au bout. Et nous prenons mot. On nous prend mot. Kemered, vous aussi, portez mon aide comme d'habitude. Et merci en pile encore. Ok, avec plaisir. Bye bye.